Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Ministère Santé publique ak population informé gen 61 nouveaux cas qui confirmé ak des moun en plus qui mouri en bas COVID-19 la nan date 20 juin 2021 nan pays a. Sa ki bay yon total 17 963 cas confirmés, 2897 moun ki passé l'hôpital, 400 moun mouri ak 12 677 moun ki traité. MSPP dit saluer compatriotes sayo qui parti quitté nous pendant souhaiter force à courage à famille amis défunt yo. De l'autre côté, ministère santé publique à population continue mander tout monde pour respecter tout principe l'hygiène yo tankou mettez cache-nez dès pour rencontrer l'autre monde. Toujours laver main, toujours songer bay tout monde trois pas distance. Si vous remarquez une signe sayo, tous fièvre ou pas prendre sang ou soit goût rien, évitez prendre contact avec l'autre monde et puis les nan 2020 pour connaître ça pour faire. Et puis ancien président Jean-Bertrand Aristide qui était pays après-midi jeudi 24 juin pour aller prendre soin santé dans pays Cuba. Ancien chef l'État pays a déplacé à cause problème santé après il était testé positif dans maladie COVID-19 là d'après agence haïtienne presse AHP. Président Cour cassation, qui c'est tout, président conseil supérieur pouvoir judiciaire, maître René Sylvestre, mourit mercredi 23 juin 2021 dans l'hôpital Mibale en bas maladie coronavirus. Maître René Sylvestre a été attrapé maladie COVID-19 là depuis plus passé une semaine. Depuis les salles, il a pris soin dans l'hôpital Mibale. Maître René Sylvestre, c'était avocat. Li fête dans la commune Saint-Marc, département la Tibonite, PIA. C'est la date 1er février 2019, li était prêté serment comme président Cour cassation, ça qui fait li était en même temps président Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Et puis, Conseil supérieur pouvoir judiciaire annoncé à la peine nouvelle la mort magistrat René Sylvestre qui s'était président Cour cassation à Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Magistrat René Sylvestre fait dans ville Saint-Marc dans date 14 septembre 1962 d'après un note Conseil supérieur pouvoir judiciaire mettait dehors jeudi 24 juin 2021. C'est un monde qui passait presque toute ville à servir système judiciaire. D'après ça qui est écrit dans note là, Conseil supérieur pouvoir judiciaire présenté condoléances li ak madame défunt Marie Gerda Pierre ensemble avec tout l'autre monde qui était proche maître René Sylvestre. Et puis ambassade États-Unis dans pays d'Haïti présenté condoléances li by famille président tribunal cour cassation René Sylvestre maître Latéon avocat distingué d'après ambassade là. Toujours d'après ambassade là maître René Sylvestre était un magistrat qui était dévoué en faveur respect la loi pendant l'étape servi pays. N'a pas poursuivre avec information pour nous faire connaître président République là Jovenel Moïse d'ici avec en pile tristesse lui apprendre nouvelle mort magistrat René Sylvestre qui c'était président Cour cassation. Dans tweet président République là publié mercredi 23 juin, lui souhaitait condoléances à membres famille magistrat ensemble à tout l'autre monde qui dans système judiciaire. D'après président Jovenel Moïse, maître René Sylvestre, c'était un serviteur fidèle pour pays. Et puis, responsable tribunal première instance Port-au-Prince présenté sympathie by famille, amis, président conseil supérieur pouvoir judiciaire. Maître René Sylvestre, qui t'a souffert en bas maladie COVID-19 là, mourit mercredi 23 juin dans l'hôpital Mibale. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, maître Bernard Saint-Ville dit, c'est un gros coup pays à prendre avec la mort maître René Sylvestre là. Maître Saint-Ville fait qu'on est tribunal là fait un campé travail dans occasion la mort président CSPJ. Il y a un extrait dans le micro Midra Emilia avec Max Joseph. Hier son côté nous prend dans le niveau de la justice, le noté apprendre que le président CSPJ a maître René Sylvestre. CSPJ nous connaît depuis la loi
du 13 novembre 2007, c'est l'organe d'administration, de contrôle, de délibération et de discipline de la magistrature. Ça veut dire chef pouvoir judiciaire à la maître de civil depuis à l'Imori, les suites de Covid-19. Bagaille, ça a son perte énorme pour le pays, parce que c'est un personnage qui est important dans le pays qui est tombé là, c'est chef pouvoir judiciaire là qui est tombé. En signe de deuil, c'est ça fait depuis le matin où les avocats sont venus là, moi je dis chef pouvoir judiciaire là tombé. En signe de deuil, nous sommes obligés de lever tout siège. Et moi je dis tout le monde pourquoi fixer la date de notre siège, parce que nous relevons de CSPJ. CSPJ a sorti de notre temps même dans les prochaines heures pour nous dire non. Nous levons le siège jusqu'à qui date, parce que ce n'est pas n'importe qui qui mourra. Les avocats mourent, la loi nous faut lever le siège, laisser le juge nous connaître plus de jours. Qu'en est-il du chef du pouvoir judiciaire? Ça veut dire nous penser, nous avons bien un bon coup, tant la loi va faire obligation pour lever le siège en signe de deuil. Je profite de l'espace au bon moyen TNH pour me présenter sympathie émue à la famille président René Sylvestre, en particulier madame avec petite Lille, à tout juge avec commissaire en cours de cassation, à la magistrature en particulier. Ça veut dire me présenter là tout le monde. Le dossier Fédération Haïtienne Association ak Institution Moun Handicapé yo dénoncé Zak Moun yo pas arrivé identifié qui boulait quand Moun Handicapé yo sous piste aviation. Coordonnateur national Fédération Jean Chevalier Sanon déclaré côté yo mettait victime yo dans l'école communale Pétionville là pas bon. Dans ce sens, il mandé gouvernement prendre responsabilité. Yon extrait. Incident qui passe sur site Delma 2A, côté que il y a une forte communauté de handicapés qui a vu sous piste là et que y a incendié l'espace là de façon criminelle et son acte odieux, répugnant, qui par contre qui j'en veux qualifier encore inhumain et qui vient pousser Mounsayo à vivre en tout premier lieu sous site l'église Saint-Yves là qui était dans la zone Delma 5. Suite à ça, il vient redéplacer que vous voyez qu'il y a dans Pétionville, Delma, l'école communale de Delma de Pétionville, qui est Delma 103. L'on a considéré la société haïtienne, parce que nous toujours parlé de inclusion, tout le monde a parlé de inclusion, et une mission fondamentale de fédération, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en prônant l'inclusion et l'unité nationale. Mais l'on a parlé de inclusion, et l'on a parlé de droits humains, et nous regardons dans quelles conditions que, à suite à incident, ça, incendie criminel, ça, que une personne handicapée a venu retrouver lui, je ne crois pas que nous avons parlé de dignité humaine. Parce que nous avons visité l'espace là, nous avons un espace côté logé là, qui est dans Delma 103, école communale là. Mon cher, crois-moi, en termes de droit à la vie, je ne crois pas que Jean Mounsa vivent là, il a vu tant que des êtres humains. Il n'y a pas mal pour moi, il n'y a pas de bon, non? Il n'y a pas de bon pour moi là. Je ne suis pas à l'aise là, je ne suis pas à côté de me coincé, quand je boule, je ne suis pas à dormir, tout caille, tout doit faire notre net, tout boule. Seulement pièce nous sauver seulement. Je ne suis pas à côté, je ne suis pas à l'aise là. Je ne suis pas à côté pour nous dormir. Vous parlez de en bas? Oui. Et là, nous tous dans une même situation, nous tous net. Ok, mais là nous là, nous avons une assistance, manger, bien, tout le bagage. Ah. Nous jouons, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas manger à l'aise. Comment pas? Et pas à l'aise. Et pas même gens. Donc là, quand on est à l'aise, et pas même gens. Tout le monde est boule net, beaucoup y a moi-même, je vais prendre la rue, je vais connaître mal dormi quand il y a un monde, je vais même prendre le monde parce que je dis pas approcher, si je approche, il y a tiré. Quand il y a un je vais pas approcher, quand il y a venu, venu, aller dans ce gym, la poule à terre, il y a serein, quoi d'être. Bon, il y a venu mettre nous là. Bon, je dois dire moi-même, il y a la moi-même comme grand monde, la vie comme mon père, maman. Centre sportif Kafou pas seul côté monde qui est dans une situation difficile de loger, selon le directeur Office National Migration Jean Nego Bonheur Delva. Responsable a fait qu'on a gagné au total 8 550 monde qui déplacé qui était la caillou à cause du phénomène insécurité. Il y a parmi ensemble monde sa yo qui loge dans différents sites dans la zone métropolitaine. Il y a 2 704 familles avec 52 monde qui vivent pour compte yo selon numéro 1 ONM. Jean Nego Bonheur Delva, tenant micro, Rodney d'Orléans avec Moïse Elbridge. Jodian n'a parlé en pile de situation.
qui lui-même prévaut au niveau de centre sportif de Carrefour. Mounzaïo, yo sorti dans zone Martissant pour en pile là-dedans. Mais il n'est pas seulement question de centre sportif de Carrefour. ONM, à travers le recensement qu'il fait en un pays, sous moun qui est en situation difficile et qui est obligé de déplacer, nous arrivons à identifier sept sites côté moun sa yo, yo réfugié yo. Mais ça ne veut pas dire que pas d'autres moun qui allaient kay on zami, kay on famille, j'aime de dit à l'heure là. Et chiffres sa yo que ONM rive collecter, c'est des chiffres qui fiables et viables, mais qui statiques. Ça veut dire qu'il est capable d'évoluer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Dans ce sens, nous gagnons le centre sportif de Carrefour, qui gagne, je dis, 1115 personnes recensées, dont 603 femmes et 512 hommes. Nous gagnons armée du salut au niveau de Delma 2. 1482 personnes, dont 1037, ça qui représente 70%, c'est femmes, et 445 hommes, 30%. Nous gagnons école communautaire de Delma, qui lui-même hébergeait exclusivement les personnes à mobilité réduite, les handicapés. Il y a au nombre de 565 personnes qui sont dans ce site-là, mais toutes pas handicapées. C'est 86 hommes et 74 femmes, l'autre c'est Timoun qui accompagnait maman et papa. Ils ont retrouvé au niveau de l'école communautaire de Delma, à Delma 103. Nous gagnons parc celtique, 668 femmes, soit 60%, et 444 hommes, soit 40%. Gouvernement haïtien mettait campé yon équipe pour prendre en charge moun ki déplacé qui était la caillou à cause bandi aksam apsime la troublaille. Équipe sa gen la dan plusieurs ministères ak lot entité dans administration publique la. Équipe sa pral gen pour travail ak autorité locale yo et puis organisation de base yo pour permettre moun yo joindre bon gens accompagnement. Selon responsable yo, gouvernement ap travail pour aider moun yo retourner la caillou avant longtemps. Pour éviter situation ça yo continuer répéter, ministre délégué pour droit monde encourager tout acteur dans vie nationale là chita ensemble pour dialoguer sur problème pays antiga extra. Pour venir en aide avec déplacés yo, gen on task force qui mettait sous pied. Mais pour me spécifier, task force ça qui créé l'an lundi, mais ça pas veut dire que l'autre entité yo pas tap travail et venir en aide avec déplacés yo. Donc, dans ta force, nous gagnons tout d'abord le ministère des Affaires sociales, qui gagne en Bali et ONM, et puis qui gagne le bureau du secrétaire d'État des personnes handicapées, et qui gagne FAES. Et en même temps, tout, à côté, nous gagnons le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui gagne la Direction générale de la protection civile, et qui gagne tout collectivité, qui veut dire mairie, et Kazek Azek, délégué de ville. Nous gagnons, j'aime te dire tout à l'heure, ministre Boisvert, qui est ministre Finance, et en même temps, ministre Planification, qui en charge causé administratif et en contact avec différents ONG. Les gangs que nous gagnons à travers la métropolitaine, envoyez d'abord à comment les gens vivent dans la zone. Combien de services publics de base qui existent?
Et dans qui condition, et même si existe tout, dans qui condition que y a la population service? Combien de pôles d'emploi qui existent dans la zone nan? La révolution du bonheur, la deuxième révolution du pays, ce n'est pas la révolution pour liberté, mais la révolution bonheur, nous avons joué dans le préambule 1987. Nan. Et malheureusement, depuis 34 ans, nous n'avons pas arrivé à joindre à bonheur haïtien. À tout le monde qui vit dans le pays. Et puis quoi? Que faut que nous aider la communauté de base pour prendre tête en charge. La violence est toujours envoyée en logique, en pratique de violence. C'est pour nous entrer dans le quartier, installer le service public de base pour tout le monde qui a joué accès à eux. En nous repenser le pays à tous les citoyens qui vivent là-dedans pour nous payer à l'autre gens. Dans le rapport qui était fait en 2018, je vais noter ça, c'était un rapport on organise de trois humains, il était parlé de troisième circonscription, Martissant. Côté que le t'ai montré que dans le rapport là, un, pas un bon politique pour bailler mon yo bon caille côté pour habiter. Pas un de l'eau potable pour mon yo boire. Pas un centre santé pour mon yo pour joindre bon soin. Pas un l'école professionnelle. Pas une bibliothèque. Pas un loisir pour ti mon yo. Pas une activité business pour mettre la vie économique sous pied. Je dis hein, l'île li temps et Walwin en tant que ministre délégué chargé droit moun faire respecter droit à monde et lutte contre la pauvreté extrême. Je dis à ce travail, moi ce travail, c'est pour aider tout le monde, tout haïtien, vivre sous bout de ça, sous tout kilomètre carré que nous avons là, pour moi, pour dans quelques années, pour nous dire tête nous que le pays, c'est pour nous lier, ce n'est pas pour l'autre monde encore. Et puis, ministre AI, Affaires sociales et Travail, a fait qu'on est, gouvernement déjà commencé travail avec autorités locales pour porter support à les gens qui trouvaient dans différents sites dans la zone métropolitaine. Ministre, mon premier annoncé, il pral continuer travail dans tête collée avec le Fonds économique et social FAES pour l'ouvrir restaurant communautaire, une façon pour continuer à accompagner les gens qui sont dans une situation difficile. Toujours dans le micro, Rodney d'Orléans avec Moïse Olbridge. Nous devons travailler avec FAES, qui sont l'autre entité, pour nous dire qu'ils sont capables d'intervenir, pour nous capables de porter aide pour nous. C'est comme ça. Nous avons acheté l'huile. Nous avons acheté du riz. Nous avons acheté maïs. Nous avons acheté pois. Nous avons acheté spaghetti. Et puis, nous avons gagné, préparé des kits même pour Simona, avec la Kaeli, des kits qui ont du riz là-dedans, qui ont pois, qui ont l'huile, qui ont maïs là-dedans, qui ont deux t-shirts là-dedans pour Simona, besoin de déplacer immédiatement. Nous avons préparé, en général, à peu près une centaine, douzaine maillots, ça nous a des t-shirts, nous a des maillots. Nous te bay conforteur pour moun yo ka dormi, pour yo pa dormi à même le sol. Avait dit que bagay sa nous te remettre magistrat Kafoua yo même pour te capable prend soin moun yo parce que te gen en pile intervenant parce que te gen organisation femme qui sous terrain, te gen l'autre organisation dans société civile là qui te sous terrain qui t'a travail et pour porter aide bay moun yo nan kan. C'est comme ça tout, FAES, pas de camper, FAES distribué, avant ça, en allé Delma, parce que Delma était venu en Tijan à peu près quelques jours après. T'es gagné derrière la mer du salut, t'es gagné monde qui était là. Et moi, j'étais en contact avec une organisation qui travaille avec eux et qui travaille avec OIM, etc., qui t'est parlé avec moi. Nous gagnons caille. Ministère gon kaigre les centres d'accueil et Delma, malgré qu'elle n'est pas en bon état à cause que Timounio crée là dans enfant pile, cause là dans nous qu'à comprendre ça. Mais nous te mettons à disposition Mounio pour être capable d'héberger Mounio. C'est comme ça, FAES a distribué 2500 plats chauds par jour en l'air, Delma. Alors, et Carrefour, il te poté. Delma te gen 503 plats au débat. Gagné handicapé au tout. Que nous te travaillons avec le secrétaire d'État et qui est responsable personne handicapée ou qui en bas tutelle ministère des Affaires sociales tout.
Donc ça veut dire que nous te prenons soin de mon salaire pour nous te cabaye au moins trois plats manger et manger chaud dans la question FAES. À côté l'autre manger que nous distribuer. Tu as une distribution kit hygiénique tout que FAES te fait. Côté que li baye un millier kit hygiénique. Dans Delma, il y a 500 que li te baye. Donc Carrefour nous dit 1000 là c'est pour Carrefour. Et centre sportif et de Carrefour encore recevoir 1333 kits hygiéniques. Ça veut dire que taxe 60 pour côté même créé et que nous fait toute intervention ça. Et là ça même parce que peuple haïtien son peuple qui solidaire. C'est normal à ce que mon dans société civile là l'autre mon aller tant qu'on pile organisation pas les citer pour pas gagner jalousie mais en pile organisation et surtout organisation femme qui travaille avec dans Carrefour et Delma pour aider monio et faire intervention ça. Fait ce maintenant nous pour aller l'ouvrir commencer l'ouvrir restaurant communautaire yo, pour nous bailler monio et manger. Nous avons annoncé l'identité, ministère de la Santé publique et la population fait qu'on est à toute entreprise qui compte vendre ou bien distribuer produits médicaments dans le pays. Ils sont capables d'acheter vaccin COVID-19 là pour venir vendre en Haïti. Décision ça prend pour capable faciliter tout le monde qui a une volonté pour vacciner, gain accès à vaccin. D'après notre ministère, mettez d'ailleurs mercredi 23 juin 2021, tout le monde qui est intéressé capable de demander ministère autorisation pour capable rentrer avec vaccin dans le pays. Le ministère a dit qu'il remercie toute l'autre institution qui a une volonté pour aider à combattre la maladie coronavirus là dans le pays. L'autre nouvelle, président association magistrat haïtien yo, Anama Jean-Wilner Morin, mandé autorité yo prend bon jamaisi pour accompagner magistrat Renaud Régis cap traité dossier assassinat ancien bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince yo, maître Montferrier Dorval. Maître Morin souhaitait avant longtemps gain lumière qui fait sous dossier ça. En suivant extrait. Le magistrat Renaud Régis cap instruit un dossier important qui concernait assassinat et maître Montferrier Dorval, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Nous-mêmes, Anama, nous demandons que les instances nationales et internationales, qui eux-mêmes ont fait promotion de la justice, pour que ils intervenus, pour que le magistrat Renaud Régis, qui a joué une sécurité nécessaire, avec moyens logistiques nécessaires, qui pour permettre que le mener à bien et instruction ça. Donc, nous croyons que la justice élève une nation. Un professeur émérite, Tako et Montferrier Dorval, n'est pas capable de passer comme ça, assassiner comme ça, et qu'aucune lumière n'a pas faite sur lui. Donc, nous n'est pas capable de charger personne de monde, mais c'est instruction pour faire, pour lumière capable de faire ce dossier. L'autre nouvelle, ministre Travaux publics, Transports, Communications, ingénieur Nader Joiseus, visité mercredi 23 juin, travail asphaltage qu'a réalisé sur route Barrière-Battant pour Bout Kafou Mena à Saint-Raphaël. Pendant la visite, ça, ministre Nader Joiseus, Tegiakli, directeur départemental Travaux publics, là, et puis délégué départemental NOA. Autorité Audi, yo satisfait pour Jean Travaillot avancé. Richard Sonjour dans Hervé Pierre pour détail. Travail asphaltage route Barrière-Battant pour Bout Kafou Mena à Saint-Raphaël, là, redémarré. Ministre Nader Joiseus ak directeur départemental TPTC Nord tal founi jegade comment travay yo avanse. Saint-Raphaël fait pou n'a n'a Saint-Raphaël Kafoumena. Et Saint-Raphaël Kafoumena là n'ont pas ka passer dans ce historiquement, n'a passé par Grande Rivière du Nord, non même n'a fait barrière battant rivière Kafoumena. C'est vous montrer là c'est l'argent trésor public là non à l'aise. Nous ka travay à toute heure. Nan Kafoumena là n'a travay malgré pandémie. Nous respectons toutes les règles et notamment nous mettons des masques, au contraire nous mettons deux masques pour protéger. Nous avons lavé maintenant, mais nous continuons de travailler. Nous n'avons pas quitté aucune pandémie, quelle pandémie humaine, quelle pandémie. Pandémie maladie et coronavirus, nous avons combattu pour nous aller vers l'avant. Nous avons travaillé sur Barrière-Battant, nous avons préparé les couches de base et pour l'évaluation. Donc nous avons parlé de 3500 m3 que nous avons gagné dans le contrat pour Kafoumena.
Donc c'est sous projet ça ouais que nous travaillons là. Donc dernier visite tout ouais que nous fait là. Donc c'est sous lui que nous est là que nous travaillons. Délégué départemental Nord à Piro de Gaulle Augustin salué divers travaux administration Jovenel Moïse là a réalisé dans la région. Délégué départemental l'a dit déterminé pour satisfaire la population. Captain finissement travail sous route Barrière Battant Kafoumena Saint-Raphaël là. Je dis à grâce à président Jovenel qui au pouvoir grâce au gouvernement mon grand prêt à bénéficier asphalte là n'a continuer route là et me pense nous parler jusqu'à Kafoumena. L'important pour que nous dit peuple haïtien et en général captain de nous cap garder nous et l'important pour que nous mettez nous au travail. Trois brigandais dans le pays. Je pense que si le président Jovenel a plus de possibilités pour te joindre la paix, pour te joindre bons gens collaborateurs, pour être capable de travailler ensemble avec lui, mettre les mains ensemble avec lui, que ce soit dans l'opposition, que ce soit et au sein du pouvoir, je pense que ça fait plus de bagailles. Et je dis à la, nous, nous avons bénéficié d'asphalte sur la barrière battante pour nous faire jusqu'à Saint-Raphaël. Nous avons bénéficié asphalte sorti Kankok jusqu'à Vaudreuil, cap haïtien. Moi pense que nous va gagner un mot encore pour nous remercier président pour effort là. C'est film Kwamko qui gagne contrat pour réaliser travail asphaltage ça pour l'état haïtien. Et puis ministre PTCA Nader Joiseus visité une fois encore chantier Kafoujof Podpea. Ministre Joiseus t'a regardé état avancement travail. On tire un extrait. Je dis un premier bagage qui est important pour nous, c'est la route. Ouvrage, on a fait. Fabrice, c'est une route qui est plus difficile qui gagne. Et au divin par une route RN5, qui a fait un port de paix, qui est 80 km. Et partir la Tibonite pour lui, il y a 44 km. Et dans 44 km, on a plus de 44 ouvrages d'art. D'alot, traverser busé et pont. Il y a deux ponts là, nous allons faire bientôt. Et n'a pas les sur parce que nous avons bien sur. Donc, nous sommes obligés de marcher pressé. Le président m'a demandé de marcher pressé. Donc, je viens là pour me réconforter au divin. Bal tout appui moi. Si c'est appui matériel, machine qui est dans le balil, je parle avec un collègue Boisvert qui font un virement sous compte lui. Et dans la semaine, ça, qui a l'argent pour commencer le travail, qui s'est pour acheter carburant et acheter carburant et puis payer mon yo pour capable mettre couche de basan et puis imprégné et puis mise en place en Robert. Qu'on a tout travail difficile au fait déjà. Non obstant deux points qui nous prennent faire qui est un peu difficile. Donc, on met quoi dans l'espace de 22 jours qu'a fait ça. C'est gaz encore. Le ministre vient de mettre dans le moteur pour monter à marcher plus bien. Et Jean-Ministre se dit là, ça n'a pas demandé aujourd'hui, c'est population n'a pas demandé une chance. Parce que bloquer route chaque jour, c'est bac qui fait nous faire. C'est travail à l'empêcher d'avancer. Et Jean Mounou après du côté des canifices là, que chaque jour levé, ils ont bloqué route là au côté. Nous disons, nous avons nos possibilités pour nous travailler, quitter nos travail, c'est que route là sont promesses, c'est promesses président te fait et jusqu'à maintenant, nous la donne et nous baillons tête nous comme devoir pour nous finir avant président aller avant mandat président fini. Que nous n'avons pas besoin de sauter. Si vous avez un jour, deux jours par an, c'est parce que vous avez un problème de gaz. Et depuis gaz par dans le département, les cocos sont presque toutes institutions. Et nous disons, semaine ça, on a retourné le travail en force, que vous mettez de l'eau sous Kéo, n'a pas eu, route là qui c'est route Kafoujo gouvernement normal. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez, qui a attendu des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous, sans pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.